Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog qui m'a été demandé et bon je vous avoue que je l'avais gardé dans un petit coin de ma tête quand même hein, de vous faire un vlog sur mes jeux de Noël et d'hiver. Voilà un vlog qui est toujours très sympa à faire, hein, un vlog que vous aimez voir, moi j'aime bien voir ça sur les autres chaînes aussi. Donc on va commencer ça tout de suite, j'ai des petits Lenormand, des oracles, des tarots, j'ai pris deux livres et aussi des idées de tirage. Vous allez voir ça, on va regarder tout ça ensemble. On va commencer peut-être par les petits Lenormand. Le premier, il ne va pas vous surprendre, hein, c'est le Merry Christmas de Célia et Claire Duval. Je crois que c'est vraiment le petit Lenormand de Noël. Hein. Celui-ci, vraiment, on ne peut pas faire plus Noël que celui-ci. Voilà, bon, c'est vrai qu'on l'utilise peut-être un peu plus à Noël que pendant le restant de l'année. Mais les illustrations sont vraiment belles. J'ai rien que la boîte est magnifique. J'aime beaucoup. On a toujours le livret, hein, comme d'habitude, comme Célia nous fait en français, en anglais. On retrouve le numéro de la carte, le nom traditionnel, parce que dans celui-ci, les cartes ont pas mal été renommées. Et alors, on a à chaque fois... le nom, la description, l'action, la guidance du jour et aussi une incantation magique. Voilà, donc ça, c'est chouette. Ça nous plonge dans l'esprit de Noël et c'est chouette. Le dos est magnifique. Les tranches sont rouges assorties au rouge de la boîte. Hein. Il nous a vraiment fait un chouette truc dans ce coffret. On a une petite carte avec les noms et les mots-clés. Et on a les belles illustrations qui nous plonge vraiment dans Noël, hein. La neige, les boules à neige, le sapin, voilà, moi j'adore. Franchement, celui-ci, il est vraiment magnifique. Bon, tous les jeux de Célia sont magnifiques, mais voilà. Bon, celui-ci, on le connaît tous, je crois. Hein. Mais c'est toujours un plaisir, en fait, j'adore celle-là, de le retrouver à chaque fin d'année, voilà. Voilà, le Merry Christmas. Il est toujours dispo, hein, normalement, sur son site internet. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas trop où je vais les déposer. Je vais essayer de les mettre à côté de moi. Le deuxième, celui-ci. Bon, il fait peut-être un petit peu moins Noël, mais il est tout aussi beau. Le Mademoiselle Lenormand au fil du temps d'Ali Esquet et Sophie Charlet. J'aime beaucoup aussi. Les illustrations sont très, très belles. Hein. Le dos est magnifique. Il fait un petit côté doux, je trouve. Voilà. Je le trouve très joli aussi. Avec les petites fées. Voilà. J'adore les illustrations. Les cartes sont toutes douces. Ouais. Oh, les petits oiseaux, j'adore. Ils sont trop beaux. Ce jeu est une vraie merveille. Voilà. Lui aussi me fait... Plutôt, lui, il me fait peut-être plus penser à Noël, peut-être pas par les illustrations, mais plutôt par la douceur. Voilà. À Noël, on a souvent envie de douceur. Voilà, il fait froid, on a envie de se réconforter un petit peu. Et voilà. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, du coup, le livre, voilà, qui est en couleur. Hein. Ouh, voilà. Avec pas mal de choses. Zouf. Alors, le certificat. On remet tout bien. Voilà. Donc, celui-ci aussi. Ça, c'était les deux petits Lenormand que j'avais. Pour les oracles, évidemment, l'oracle de Noël, hein, on ne peut pas faire sans. D'Anne-Françoise Lebrun et qui a été illustré par Marie Elix aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Il est ressorti avec une autre illustration sur la boîte. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement au niveau des illustrations. Moi, j'aime bien celle-ci. Je n'ai pas changé juste parce qu'il y avait une autre boîte. Hein, voilà. Elle s'ouvre, elle est aimantée. Ça, je trouve ça chouette aussi. Et le livre est très bien fait aussi, hein, avec pas mal de choses pour chaque carte. En plus, il est en couleur. Voilà. Franchement, il y a des chouettes tirages aussi. Celui-ci, il est sorti l'année passée. Je trouve ça a vraiment été un gros coup de cœur. Le dos, comme ceci. Les tranches, rouge aussi. Il va bien avec le Merry Christmas. Et les illustrations sont magnifiques. En plus, il y a 50 cartes. Voilà, il est trop, trop beau. Voilà, j'adore les illustrations. Bon, je vous ai pris
Plutôt les jeux qui vraiment pour Noël, hiver, il y en a plein d'autres que j'utilise en hiver, hein, en tarot, en oracle, mais j'ai pris que ceux qui étaient vraiment dans ce thème-ci parce que sinon la vidéo va être très très longue. Mais franchement, il est trop beau. J'adore celle-là aussi. La bûche. Je crois que c'est un des plus chouettes oracles, vraiment oracle, hein, pour Noël. Voilà. Il y en a un autre qui était sorti aussi, mais j'en mets moins les illustrations et je ne l'ai pas pris aussi parce qu'il y avait moins de cartes. C'était 36 ou 38, donc je n'ai pas craqué. Voilà. Et puis je me suis dit que j'avais déjà celui-ci, que j'aime beaucoup. Hop. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu tirer une petite carte, mais bon, voilà. Donc celui-ci. Ensuite, on tirera peut-être une petite carte à la fin de celui-là. Le dernier qui est arrivé de la collection, Les Saisons de la Sorcière, forcément celui sur Yule, donc de Laurian Anderson et Juliette Diaz, est illustré par Giada Rose. Voilà, lui, il est vraiment sur le thème de Yule. L'intérieur est vert, vert sapin. Voilà. Hop, hop. Le guidebook est toujours très très bien fait. Hein. J'adore leur livret. Il y a plein. Bon, là, vous voyez, on est vraiment dans l'ambiance de Yule, de Noël. Hein. Il y a plein de tirages proposés qui sont toujours très chouettes. Bon, elle explique aussi qu'on peut utiliser cet oracle pas qu'à Noël, évidemment. Hein. Il survole d'autres thèmes aussi. Et vous voyez, pour chaque carte, on a pas mal de choses. Hein. Ici, par exemple, on a encore en plus une astuce magique. Voilà, donc le livre est chouette. Les cartes, moi, j'aime bien. Le dos est comme ça. Ici, on a des tranches vert métallisées. Et pour les illustrations, voilà. Très, très joli aussi. Bon, je pense qu'il a eu un petit peu moins de succès que le précédent. Moi, perso, je l'aime bien aussi, celui-ci. Bon, je les aime tous. Parce qu'il y en a un qui a été fait par un ou deux, je crois, par une autre illustratrice. Et les gens avaient l'air d'avoir préféré les illustrations de l'autre illustratrice. Voilà. Et il y en a un autre qui va bientôt sortir. Je me demande si c'est pas celui sur Lita, qui va bientôt sortir en français. Voilà. Moi, je les ai tous en français. J'essaye, enfin maintenant, j'arrive comment est-ce qu'on dit, à me raisonner et à attendre que les jeux sortent en français. Bon, pas pour les tarots encore, mais du moins pour les oracles, oui, puisque sinon je ne les utilise pas. Voilà. Donc, tous ceux-là sont encore dispo, hein, ceux que je vous ai montrés. Alors, il y a aussi celui-ci, le petit oracle de l'étoile bleue, parce que l'étoile bleue, moi, ça me fait penser ben, justement à l'étoile de Jésus suivie par les rois mages. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la couleur bleue, ça me fait la couleur un peu froide. Il me fait penser à l'hiver aussi, hein, de Julia Saric avec des petites cartes. Le dos est comme ça, très très joli. Ça, c'est la carte. J'avais toujours à l'envers pour ne pas me tromper. Des tranches argentées et on a de très très beaux petits messages réconfortants, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il va bien, moi. Pour cette période, voilà, la douceur, c'est exactement ça, les émotions, etc. Voilà. Bon, on peut toujours en tirer une, hein, comme ça, vous aurez un petit message. Oh, bah, le repos, bah, c'est vrai que l'hiver, c'est souvent une période de repos aussi, hein, où on ralentit la cadence, on profite de ses proches. Ça nous dit ton corps et ton esprit ont besoin de repos, écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent un petit peu de congé pendant les fêtes également. Voilà, donc c'est un message qui tombe à pic. Le petit oracle de l'étoile bleue. Je vous montre quand même le dos, hein, de Julia Saric qui est toujours dispo également. Alors, dans la même veine, un petit peu l'oracle de la prophétie des étoiles de Caroline Etchenazy, qui est un petit oracle avec des cartes, avec des messages qui font du bien. Voilà, et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Les étoiles veillent sur toi, toujours dans cette idée, dans ce mood de douceur, de bien-être. Puis, ça fait penser toujours à cette étoile. Ici, le dos est magnifique, hein, les tranches sont comme ceci et voilà, ce sont de très très jolies. Bon, ça, ce sont les cartes de présentation. Voilà, ce sont des messages qui font du bien et par ces temps froids où on a envie de rester à la maison, ben, ça fait du bien d'avoir des petits messages comme ça, doudou. Voilà, bon, il y a une partie à l'envers. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Aïe aïe aïe.
Voilà. Donc celui-là aussi, et j'adore les couleurs aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait en le rangeant. Ça a cafouillé quand je l'ai rangé. Voilà, donc celui-là aussi, on le trouve encore partout. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors, celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Je crois que celui-là, par contre, il est plus dispo. Peut-être qu'elle le refera, je ne sais pas. L'oracle de guérison, les ailes de Raphaël de Karine Vigouroux, hein, qui a le site Fleur de Vie. Il est très beau aussi. C'est un oracle ici plutôt de guérison, de travail sur soi, etc. J'ai encore la carte qu'elle m'avait écrite. Voilà, et j'aime beaucoup, voilà, pour travailler un peu sur soi. En même temps, les illustrations sont toujours magnifiques, hein, je trouve. Voilà. Son de guérison, le focus. Parce que c'est vrai que Noël, ça rappelle aussi parfois de tristes choses, hein, les personnes qui sont plus là. Ceux qui sont plus là, justement, pour fêter Noël, hein, qui sont partis, malheureusement. Et c'est parfois, il y a des gens qui sont très tristes à Noël. Donc, un oracle de guérison, je trouve ça bien aussi. Voilà, c'est pas toujours des choses, des Noëls heureux. Il y en a pour qui c'est évidemment heureux, on retrouve la famille, mais il y en a qui passent un Noël plus triste parce qu'ils ont perdu un être cher, tout simplement, ou qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, et voilà. Donc, un oracle de guérison qui met du baume au cœur, moi, je trouve que c'est bien aussi. Et celui-ci est magnifique. Bon, je les aime tous. Hein. Et puis, le côté derrière, avec les petites lumières comme ça, fait un peu penser aux guirlandes de Noël aussi. Voilà. Il faut toujours, évidemment, penser à ceux qui n'ont pas la chance d'être heureux à Noël, les isoler, tout ça. Voilà, de se rendre compte de la chance qu'on a. Voilà, donc ça c'est les ailes de Raphaël, qui pour le moment, moi j'ai encore la version, vous voyez, dans la tube box, hein. Les autres aussi d'ailleurs, la lumière sacrée et les lumières d'Inanna, j'ai pas les belles boîtes. Voilà, donc celui-ci. Ensuite on va passer au tarot. Évidemment, celui-ci, hein, le Cookie Story Tarot version 2 que m'avait envoyé ma belle Oracle Inzel, ma belle Audrey. Je viens de voir qu'elle, avant de faire la vidéo, qu'elle avait posté un réel pour dire qu'elle en avait encore de dispo sur sa boutique, justement. Voilà. Bon, celui-ci, franchement, il fait vraiment penser à Noël aussi, hein, vu que ce sont les petits cookies, voilà, les petits bonhommes en pain d'épices. Ou... Voilà. En plus, les couleurs aussi. Y en a une qui veut rester dedans. Hop, voilà. Les tranches aussi bleues comme ça, moi, ça fait aussi penser au froid, à la neige. Le dos est très très joli. Et bon, moi j'adore, hein, vous savez. Voilà, bienvenue dans le Cookie Land. Et on a la piste Squirrel ici. Voilà, et bon, cookie, bonbon, moi ça me fait vraiment penser à Noël. Celui-ci, j'ai même pas encore eu le temps de vous le présenter. Je ferai ça, c'est promis. Peut-être dans les semaines à venir, parce que c'est pas en été que je vais vous le présenter, celui-ci. Bien qu'il est mignon, hein. Sincèrement, il est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Et forcément, les petits bonhommes comme ça, ça fait penser tout de suite à Noël. Enfin, moi, du moins. On a ici les cannes à sucre. Voilà. On a la place des bâtons. Et la qualité de carte est toujours très, très bonne. Bon, il y a pas mal de jeux d'Extiny, du coup, hein. Voilà, bon, je vais passer un peu plus vite. Hop, on dirait Popeye. Voilà, vous avez compris, le Cookie Tarot de Destiny. C'est vrai que là, il y en a plusieurs des Destiny que j'ai sortis. Voilà, le Cookie Tarot. Donc, celui-là est toujours dispo. Alors, celui-là que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Porcelain Tarot. Pourquoi? De par ses couleurs bleues et froides, moi, ça me fait penser à un jeu d'hiver. Voilà, on retrouve de nouveau les tranches bleues. Hein, et de par ses illustrations bleues, comme ça, froides, ça fait un peu penser à la neige aussi, je ne sais pas. Il me donne envie d'utiliser ici en hiver. Voilà. Ce n'est pas un jeu que j'aurais envie, je crois, d'utiliser en été.
parce qu'il n'y a que des couleurs froides, justement. Voilà. Bon, celui-là, je le passe un peu plus vite. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très très longtemps. Je pense qu'il est toujours dispo sur la boutique d'Audrey aussi. Je vous mettrai le lien vers sa boutique dans la barre de description d'ailleurs. Comme il y en a plusieurs, des fois que... Voilà. Alors, ensuite, le, évidemment, Xmas Elf Tarot qui arrivait dans un... Enfin, qui arrive toujours d'ailleurs dans un bonnet de lutin comme pochon. C'était très joli, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, comme ça prend de la place, je l'ai rangé dans mon armoire. Et celui-ci, forcément, c'est Noël à gogo, hein, le pull de Noël. Il existe en vert et en rouge. Moi, j'ai pris la version verte. Regardez cette tranche, le dos. Parce qu'il y avait la carte, une carte supplémentaire du narval et je la trouvais trop jolie. Voilà. Bon, il n'est pas du tout dans l'ordre. Hein, on l'a utilisé il n'y a pas longtemps dans les guidances d'ailleurs. Et celui-ci, ben, on ne peut pas faire plus Noël. Voilà. J'ai deux tarots qui font vraiment Noël, Noël. Il y en a un qui est plutôt mignon. Celui-ci, hein, plus choupinet. Ben voilà la carte du narval. C'est le Happy Narval. J'aimais trop. Et l'autre est plus sérieux. Voilà. Bah ici, on est vraiment dans la neige. Je ne sais pas si elle en a encore de dispo sur sa boutique. Ça, je vous mettrai le lien, vous irez voir. Mais celui-là, il est trop choupinou. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. J'adore. Bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Les Destiny, évidemment. Moi, vous avez compris, je suis fan. Le chat qui a fait tomber le sapin de Noël. Et voilà. Du coup, donc on a le tarot plutôt mimi pour ceux qui aiment bien ce style. Et je vais vous montrer après le tarot plutôt sérieux pour ceux qui aiment mieux ce style-là. Voilà. Et ils sont tous les deux en anglais. Bon, je pense pas que le Destiny sera traduit un jour en français, hein, vu que ça, c'est un auto-publié. Voilà, bon. Et par contre, niveau prix, celui-ci coûte le double du prix de l'autre, évidemment. Parce que les Destiny sont quand même beaucoup plus chers. Bon, la qualité y est, mais bon, quand même. Alors, l'autre Destiny, évidemment, le Winter Magic, hein, qui est entièrement consacré à l'hiver. Bon, j'ai les quatre saisons, hein, vous savez, je les adore. Le dos est comme ça, la tranche est comme ça. Je sais qu'ils ont, ils sont ressortis les quatre saisons avec des modifications dans les dos. Moi, j'ai ceci, je ne vais pas changer juste parce qu'il y a un autre dos. C'est vrai que celui sur l'automne, le nouveau dos était plus beau, je trouve. Voilà. Et bah, il est très, très mignon, hein. Voilà, sous la neige, ils ont leur grosse veste, leur gros manteau. Il est trop, trop joli. Perso, moi, j'adore. Bon, c'est des jeux qui, moi, me mettent le sourire. Voilà. Et en cette période de fin d'année, on en a besoin. Voilà. Moi, perso, je vous le dis, je serais très heureuse d'être passé les fêtes et d'être déjà en janvier. Pas une période, je sais pas, c'est peut-être l'actualité, tout ça qui fait que c'est pas une période pour le moment qui me met vraiment de la joie à fêter. Voilà, avant, oui, beaucoup plus que maintenant. Avant, j'étais grande, très fan de Noël, des décos, maintenant de moins en moins. Mais voilà, donc le Winter Magic qui, je ne sais pas, je pense qu'il est toujours dispo sur son site. Et on va passer au dernier tarot. Vous vous doutez sûrement duquel il s'agit. Le Yuletti Tarot de Erin. Illustré par Erin O'Leary Brown. Et il est de Christopher Hughes. Ce tarot est magnifique. Vraiment magnifique. Bon, ça brille un peu avec la lumière. Voilà, le livre est magnifique. Bon, il est en anglais. Je pense qu'il sera traduit en français, ça c'est sûr, je craquerai pour la version française. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Celui-ci est dans les, entre 30 et 40 euros, ça varie, hein, ça dépend à quel moment on se le procure. Il est dispo sur Amazon et voilà, il coûte moitié moins cher du coup que le Destiny. Voilà. Et le livre est très très beau, hein. Mais celui-ci évidemment il fait plus, je dirais plus, bah déjà oui, pas moins gnangnan, moins, plus sérieux, plus sorcier, wicca, witchy aussi, hein, de par les illustrations. C'est pas du tout le même thème,
Moi, perso, je les aime tous les deux, vraiment. Voilà, il est aux éditions Lewilline. Ouais. Bon, la qualité de carte, évidemment, c'est plus les cartes souples qui sont vraiment très prisées en Amérique hein, pour le battage en mode shuffle. Les Destiny sont beaucoup plus épaisses, mais elles sont quand même de bonne qualité. Hein. Et franchement, il est magnifique. Bon, j'espère qu'il sera traduit en français parce que le livre, c'est une vraie mine d'or. Franchement, j'aimerais bien l'avoir en français, mais j'ai pas pu attendre de l'avoir en français tellement je le trouve beau. Et puis, il n'y en a pas des masses des tarots sur le thème de Noël. Vraiment, Noël, Noël, ça court pas les rues. Voilà. Le magnifique Yuletide Tarot. Si jamais il y a des jeux que vous voulez, enfin qui vous intéressent et que vous voulez savoir où on se les procure, sous toutes mes vidéos que je vous ai faites, dans la barre de description, il y a toujours un lien pour vous indiquer où les trouver. Voilà, donc ça c'était pour le tarot. Alors, on va passer aux deux livres que je vous ai pris. Il y a celui-ci, évidemment, hein, sur l'hiver, les saisons du bien-être, qui était paru aux éditions Améthyste. Hein, il y a les quatre saisons. C'est un livre que moi, j'aime bien parcourir, justement, en hiver, forcément. Je vais vous mettre comme ça une minute, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, c'est de Camille Pellissier et Azilis Salvador. Et c'est un livre qui est vraiment sur l'hiver. Voilà. On va nous parler de ce qu'on peut faire pour booster son immunité. Il y a des postures de yoga et puis il y a toute une partie recette. La première partie, ce sera, on va nous parler vraiment de l'hiver, hein, l'hiver chez les humains, le calendrier, etc. Et la partie 2, ce sera bien dans sa tête, bien dans son corps. Là, ce sera vraiment tout ce que je vous ai dit, hein, les huiles essentielles, etc. Et la partie 3, ce sera les recettes. Et il est très, très beau. Hein, voilà. Bon, avec de magnifiques illustrations. Je vous montre comme ça un petit peu vite fait un calendrier. Voilà. Il est hyper agréable à ressortir quand c'est la période. Regardez comme c'est beau. Voilà. Il y a des petits tests ici, bien dans la tête, bien dans mon corps. Voilà, on va parler de naturopathie, des humeurs, des troubles de l'hiver. Voilà, il est vraiment hyper chouette. Je pense qu'on le trouve encore celui-là, sincèrement. Voilà, ici, par exemple, je suis tombée malade, la cure d'hiver. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. On va parler de rituels ayurvédiques. Les émotions qu'on peut ressentir, il y a aussi la déprime souvent en hiver, hein, avec la baisse de luminosité, les plantes et les tisanes de saison. Voilà, on va vous en proposer plusieurs. Voilà le sureau, les huiles essentielles préférées de l'hiver, avec à chaque fois des fiches. Voilà, ça c'est très chouette. Le Ravintsara, j'adore cette odeur. On a aussi du coup les huiles essentielles, mais plutôt basées pour les émotions. L'autre, c'était plutôt pour traiter les rhumes, etc. Après, on a les cristaux de saison avec, par exemple, la pierre de soleil. J'en ai une juste ici, d'ailleurs. Elle est là. Voilà. Une toute petite. Et alors ici, on est dans le côté plutôt yoga. Ici, avec des postures de yoga. Voilà. Et après, on a le côté recette. Voilà. Il y en a plein. Et les illustrations sont magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup parcourir en hiver, forcément, pas en été. Le deuxième, évidemment, vous en doutez sans doute, hein, le magnifique Grimoire des Sabbats de Yule de Katie Orin Ferrella, qui est tout simplement magnifique. J'ai adoré celui sur Sowin. Déjà, rien que quand on l'ouvre, celui-ci, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et il est trop, trop beau, ce livre. Voilà, je vous montre comme ça. Il y a aussi des recettes. Là, on est vraiment dans la tradition, comment célébrer, les activités à faire. Plein de choses hyper chouettes pour le sabbat de Yule. Voilà. En plus, il est sur un papier fait vieilli. Comme un grimoire, il est magnifique. Je les aime tous. Je suis pressée d'avoir les autres sur tous les sabbats. Voilà. Bon, si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait la présentation. Vous voyez, le sommaire est très complet. La présentation complète, hein, des deux d'ailleurs, je crois, sur ma chaîne dans la playlist des livres. Voilà, je vais pas m'éterniser plus parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Voilà, et puis la couverture est tellement belle. Voilà. Voilà, donc ça, et on va terminer
avec les tirages qui nous ont été tellement gentiment proposés par Audrey, qui a l'Insta, le Facebook et la chaîne YouTube Oracle Inzel. Elle les a mis à dispo sur son site Facebook, enfin sur sa page Facebook et sur son Instagram, et je les ai téléchargés, je les ai imprimés parce que je les trouve trop chouettes. Voilà, donc un petit hommage à ma belle Audrey. Encore merci d'ailleurs si tu passes par là. Donc c'est les 7 tirages du Père Noël. Voilà, on a le test de pureté avec les questions. En plus, elle nous a fait une superbe petite mise en page, je trouve, mon cadeau. Le bilan de 2023 et les perspectives de 2024. La New Year, New Me, donc nouvelle année, nouveau mois, 2023-2024, un test d'amitié d'une relation. Et alors ici, on a pour trouver un travail, un projet et pour trouver l'amour. Voilà, moi je les ai imprimés, je vais les mettre dans une farde et je pense que je vais mettre des petits autocollants de Noël pour les avoir, pour les décorer déjà et pour les avoir. Je trouve qu'ils sont trop trop chouettes. Et il y a aussi... le manoir de l'occulte, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, qui propose plein de chouettes tirages. Et il y a le bonhomme de neige, enfin il y en a plein, elle en a aussi proposé tout plein. Voilà, donc si vous manquez d'idées pour des tirages, je vous invite à aller voir chez Audrey, évidemment. Dans son livre aussi, un tarot la base, elle a marqué que c'est des tirages qu'elle n'avait pas su mettre dans son livre ici. Il est génial, hein, vraiment, moi j'adore. D'ailleurs, il est toujours là près de moi. J'ai mis les petites antisèches d'Emmanuel avec et je l'adore. Voilà. Donc voilà pour ce petit vlog sur mes jeux, mes livres et mes tirages du coup pour cette période de Noël et d'hiver. Évidemment, il y en aurait d'autres qui auraient pu rentrer en compte, mais bon, c'est ceci que j'avais envie de vous présenter. Voilà, puis j'avais pas envie de faire une vidéo d'une heure non plus, je crois que là on est dans la petite moyenne d'une demi-heure, c'est déjà très 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 bien. Voilà, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si on a des jeux en commun, s'il y en a qui vous plaisent, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous mettrai évidemment dans la barre de description le site d'Audrey si jamais vous voulez aller vous voir les jeux d'Extiny. Je vous invite à aller voir son Instagram ou son Facebook si vous voulez vous procurer ses tirages. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'était un grand plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!